N'oubliez pas le gros pouce bleu, c'est gratuit. Vous pouvez me trouver sur Skype, sur Facebook, sur Snap. N'oubliez pas de laisser un petit like, bien sûr, de vous abonner, de me suivre sur Instagram et sur Twitter. Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur le jeu Max Payne 3. Comment ça s'appelle? C'est Rockstar Games qui le présente. Dès qu'il y a une petite vidéo gameplay, un truc comme ça, un petit moment qui monte le jeu, bah, je parlerai plus et je reprendrai ma voix juste après. Donc, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime à cette vidéo, de laisser un petit commentaire. Donc, c'est une vidéo de découverte, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et du coup, bah, c'est parti. Et je ne parle plus pour le moment. This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on, get on with my life. Yes, absolutely. Like I said, it was a long time ago. Let it go. Seriously. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited, really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said. Thank you.
Du coup, je suis en train de regarder si on peut. Si on peut passer le jeu. Mais pour le moment, on peut pas passer. C'est un peu dommage. Donc, je regarde un peu tout. Je regarde un peu. Je cherche. Ah, donc voilà, faut que je fasse les réglages. Donc, facile, moyenne ou difficile. En mode facile. On va faire les réglages un peu comme ça parce que je connais pas du tout le jeu. Moi, la première fois quand j'ai joué, c'était. C'était sur la PS2. C'était vraiment le premier Max Payne. C'était sur PS2, donc je me rappelle, ça date vraiment. Le jeu, le boîtier était noir et lui était bien rouge ou je sais plus. Mais bon, c'était un vieux jeu. Je sais pas si vous avez déjà joué à Max Payne le premier, où il fallait marcher sur un couloir. Il y avait un couloir avec une ligne rouge, un truc comme ça, et puis si tu tombais dans le tumeur. Donc je sais pas si vous l'avez, dites-moi le en commentaire. Si vous avez kiffé le jeu. Donc là, il est en train de voir, il est ouais. On va laisser un peu passer tranquillement et on se retrouve tout de suite. So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. Got this floor? Sure. Look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't. Comme on dit, les ennuis commencent. Donc là, ça y est, on peut bosser. Donc là, ils apprennent comment tirer, comment faire un. Comment jouer en fait. Mais après, si vous connaissez le jeu, voilà. J'explique pas non plus, je connais pas du tout. Donc c'est la première fois que j'y joue. Pour moi, c'est ma première. Le Max Payne 3. J'ai pas fait le 2. Mais je sais plus le 2 si c'est en gros celui que je parlais tout à l'heure sur PS2 ou pas. Ah, ça c'est d'art. Voler en ralenti et tomber. Ouais, voilà. Ah, ça je trouve c'est d'art. J'espère qu'on peut tirer aussi au ralenti que les balles disparent vraiment au ralenti. Donc, ça change un peu de GTA. Donc, si vous kiffez cette vidéo, si vous aimez vraiment, bah j'en ferai une autre. La suite épisode 2, donc là c'est épisode numéro 1, c'est deux découvertes, ils ont fait du carnage ici, il y a du son. Donc je me trompe un peu avec les touches de GTA, c'est un peu normal, parce que bah, j'ai pas l'habitude d'y jouer à Max Payne, donc du coup les touches sont pas pareilles. Enfin, je verrai par la suite pour faire des réglages, mais c'est pas vraiment facile, mais c'est comme ça, mais c'est juste pour le début. On va tester comme ça, puis voilà, on verra bien. Par la suite, donc du coup on cherche un peu, je me méfie. Déjà, avoir deux armes dans la main. Je cherche un peu, donc c'est un peu normal que j'ai galère un peu au début. Je connais pas, je sais pas ce qu'il faut faire, c'est un peu normal. Donc du coup voilà. Donc du coup là on cherche, c'est pas eux qu'il faut aller. Vous allez dire ouais t'es trop con, tu sais pas chercher, mais en même temps c'est voilà. Putain, ils ont fait du carnage quand même et du ketchup un peu partout. Voilà, quand je vous dis je m'entends pas un peu les touches, c'est je connais pas vraiment. Ah voilà, ça doit faire là. Ah là, je préfère pour une cuisine. Oh, oh. Et cette... C'est chaud. Ah, mon ami, je sais pas pourquoi je sais qu'il va sauter. On me doute qu'il va sauter un peu. Il va faire une connerie pour les erreurs. Pour tuer le mec. Pour sauver la fille. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va faire frère. Ouah, j'ai cru qu'il allait sauter la nuit comme ça. Ok. Oh. Oh, ça je kiffe. Hop là, il y a un petit banc en même temps. Un petit banc de. Je sais pas du genre, mais du coup, un petit banc.
Oh, ça je kiffe par contre. Le tirer en lentille. Si on peut faire ça pendant le jeu, je kiffe. Je vais kiffer. C'est un jeu que je kiffe, de tirer en ralenti. C'est comme Sniper. Allez. Moi je te donne les armes et je me casse. Bon, ça va, j'ai sauvé les dames quand même. J'aurais pu les laisser mourir. Et bah non. Allez, on s'enfuit. Oh, il a fait écraser contre l'ascenseur. Imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. Wow, il se tire les mecs. Bonjour. Room service. Putain, ils ont tué des gens, sérieux. Ils ont foiré ici. Là. Tu tombes. Oh, lui, il est marre. Oh putain. Oh là là. Allez. On va foutre encore le bordel. C'est parti, mon king. On va donner une visite. Ok, chef. Genre elle est pas mort putain, la belle que je lui ai mis, elle était mort. Wouhou, lui tu l'as fait exploser la salle. Ils sont coriaces quand même. Il a eu mal au bras lui. Vas-y, moi aussi j'aurais joué au pompe les gars. Vous allez plus casser les couilles. Ah c'est bien, on peut avoir plus d'armes. Non pas, pour le moment je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas. Ok, vas-y. Oh, wow. Les bulles qui mènent. Wow, ça fait bien voir les balles de fusil à pompe commencer. Lui, il va avoir mal. Oh, la gueule. Ouh, et c'est là, il est pas mort. Putain, je comprends rien du tout. Oh, il a pris cher. Oh là là. Ah ouais, mon pote t'es mort là. Tu fais moins ton malin. J'ai envie de te dire. Bah oui, tu fais un peu moins ton malin. Et ça je kiffe quand même. Ils ont fait voir en ralenti comment tu tires avec un fusil à pompe. Les petites balles que ça fait. C'est un peu magnifique. Je récupère un peu l'émission, je regarde. Ah, c'est chiant ça quand ils font des petites coupures pour prévenir comme on l'a dit, c'est chiant. Allez, je go. Allez, je vais faire une allez, fais attention en ralenti là, je vais voir un peu en ralenti. Oh, lui il a pris cher. Allez, toi aussi de nouveau. Et tu crois que j'ai pas vu dans la porte à gauche. Allez, t'es mort. Matrix. Bon, ça va, il tombe sur les têtes. Ouh. Ouh, lui, il a plus de reins. Les reins, il les a plus, le mec. Il a perdu ses reins, lui. Ouh, ça doit faire mal. Ouh, j'ai mal pour lui. Le coup qui s'est pris des balles dans le rein, ça fait mal. Dans les reins, ça fait mal. J'espère vraiment que vous allez kiffer ce jeu, parce que moi, je kiffe vraiment cette vidéo. Moi, je kiffe vraiment ce jeu. Donc si ça vous plaît, j'en ferai d'autres vidéos. Pas de soucis. Pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Great thing about being famous as well as rich is the bad guys know you can't. C'est un indice. Another parking lot. Allez, on va. J'espère qu'on va sortir du parking très vite.
Je vais pas coucher ici. Ni je vais y aller. Sachez que la merde. Allez, c'est ça la pute. J'ai fait toutes les tuées. Ouais, je sais, je peux être en bon, mais c'est normal. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, les gars. Parce que ça va être chiant pour vous. Et c'est pas grave. Oh! Il a eu mal à la jambe, lui. Ouïe. Le mec, il a perdu ses deux jambes. Ils ont envoyé une personne, un monsieur. Attention, je vais guérir. Non, mais plus. Bon, oui. J'espère juste pendant la vidéo que bon, rien ne va pas comme les deux avec nous, je pense que ça va pas prendre un coup de temps. Je sais pas, ça va vraiment pas bugger. Donc vous inquiétez pas si à un moment c'est grave, il y a un petit bug. C'est juste que je pense que la vidéo elle sera trop longue et mon ordinateur en fait il est en train de ramener un peu. Ouh, est-ce que c'est pour nous ça? Est-ce que c'est pour nous? Oh, il se l'est pris dans le ventre. Elle a traversé son estomac. Mr. Bronco. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Allez, tire en ralenti un peu. Oh, dans la tête. Ce soir, on mange de la cervelle, les gens. Qu'est-ce qui vend mon cervelle, non? Personne en veut? Dommage, c'est moi qui l'ai fait. C'est mal pour lui. Il a eu mal à la tête. La maison m'a le fait fesse, mais lui, il m'a dit. Il m'a dit que j'avais mal à la tête, donc du coup, j'ai gagné un café. Ah, je sais, je suis bête. Je suis né comme ça. Hein. On est tous nés comme ça, bête. On n'y pourra rien, les gars, j'ai envie de vous dire. Oui, ils sont tous meurs, vous inquiétez pas. J'adore Edio. Je suis venu comme ça. Je ne suis pour rien. Genre, lui, il est pas mal. Ah non, c'est vrai qu'il s'est pris une balle dans l'épaule. C'est le seul survivant. Le mec, c'est le seul survivant. Il est bien. Ça va être encore une histoire. Puis la personne va se renvoyer. Puis ça va se finir avec eux. Soit par un meurtre ou une connerie comme ça à la fin du jeu, comme d'habitude. Ou ça va se finir sur un retrouvaille. Il va se marier, avoir beaucoup d'enfants, puis voilà. Ça va se finir comme ça. Ça, je sais, je suis en train de me mais vous. Enfin, je sais même pas comment ça va se finir le jeu. C'est juste le début déjà. Je vais vous dire. Oh là là, ça y est, il l'a retrouvé. Back home, it was time for some R&R, the only way I knew how. Allez, voilà, on est reparti sur lui, et il va reboire, il voit une... Oh là là, ça c'est pas un ivrogne celui-là. Je comprends que d'elle. Bah voilà, il est tombé. Il y a un trafic de deux. Il y en a qui dorment sur leur lit, mais lui, il leur fait faire. Il parle un mal, ce monsieur. Mais il entend dégueuler. Donc ce jeu-là, en fait, je vous ai pas dit, mais il est déconseillé au moins de 18 ans, comme d'hab. Comme un peu tous les jeux, c'est bon. Donc, si t'es petit, t'as pas le droit de regarder le jeu. Non, j'étais con. Mais. S'il est trop violent, ouais, je pense que. On va faire la vidéo, mais on mettra une limite pour éviter que des jeunes regardent cette vidéo. Parce que ça peut être choquant. Parce que sinon tu vas en faire des cauchemars. Ouais, moi je suis pas bourré. Ils sont bourrés, mais pas moi. Boire avec modération.
wasn't just him, huh, baby? Oh yes, Marcel. Bon, c'est con qu'on se pose parce que j'ai rien à dire. Il est comme ça, il est tout visible. You were worried about getting blood on your stash. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I'm doing. T'as même pas une connerie, je pense, c'est crazy. Spend even more time doing something useful. You know she works with Pavela. Allez, champagne, on y va, dépêchez-vous, j'ai pas ça à faire, les gars. More bodies turned up, more people went missing. It's horrifying. J'ai des gens à sauver, j'ai des gens à tuer, dépêchez-vous. It is a cold town, man. Hey, here we are. Bon, bah, c'est bon, quand même. Ça va, j'ai... Voilà, on est arrivé. Voilà, on est arrivé, enfin. Alléluia, mon frère. Vous allez me prendre vraiment pour un débile, mais appelez pas le flic. Les flics. N'appelez pas les flics, s'il vous plaît, les gens. Je suis normal, vous inquiétez pas. Si je suis fou, faut pas dire. Bon, on va laisser le petit gameplay parce que c'est un peu long quand même. Allez. Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleechy Week, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty funny. Oh, look, it's Alphonse. Marcel, Fabiana, it's too long. This is Lemon and my irmã, Giovanna. Claro que sim, Fabiana. I'm glad you are still with us. Come, I heard what happened. I've missed you. I would have called, okay. But you know how it is. Didn't want it to bother you. Okay. Hey, Marcel. I think I might have an interesting investment for your brother. Well, call him up, homie. I haven't seen him for a while. What? Of course. Last week was Fashion Week. My God, Egypt, but so beautiful. You know Anastasia? Oh yeah, I know Anna. Et ouais, on est rentré dans le boîte de nuit, ça va craindre. Comme vous voyez, il va nous arriver une méchante bêtise. Bon, un truc de dingue, Salut, ça va péter les yeux. Ouais, il y a des musiques. Ouh, il y a des gens armés, c'est pas bon ça. C'est plein du boudin, c'est très du boudin. Oui, toi tu vas prendre cher. Oh putain, il est passé par la fenêtre. Méchant chute. Ça va, c'est juste une dessus, ça va. Si je tombe dessus sur lui, ça peut faire mal, mais si je tombe pas sur lui, ça va faire mal. Chute, mais attends, on est tout petit. I hadn't seen it coming, but that was no surprise. It's hard to keep your eye on the moon at the bottom of the glass. I just hope I can get to Fabiana and Giovanna in time. Non, il y a plus personne, c'est un peu dommage. Hein. Lui, il meurt. Il est plus jamais. If I didn't get to the girls soon, they'd be leaving this place with either a price on their heads or a tag on their toes. Le temps, il n'y a personne, il y a des cadavres. Que vrai. Il y en a plein des cadavres, Bon, il n'y a plus personne. Putain, ils ont tué quand même des civils, non. Pas la part des choses. I didn't need my Portuguese phrasebook to work out. I making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. Retiens-moi si tu peux, mon pote. And sure enough, a few seconds later, I had some company. À quel point que vous allez tous mourir comme des petites merdes. Ah, il y a un panne. Tu vois, ça se fait la vie. Par exemple, toi, t'es mort. Toi, tu vas se chuter. De toute façon, je vais tomber. Ah, il tombe. Ah, il tombe comme une grosse merde. Ha 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 ha. Rich fools love a private exit. Je t'avais pas mis, mais t'as les moyens. Allez. Je suis humble. On est là, les gars. C'est qui est là. Oh ouais. Poor bastard's name was Claudio.
I found out later he was a pretty big shot soccer player for the Galatians. Il est mort. Some nearly superstar just back from Europe. Il fait des dons, monsieur. Quand on a bougé, mais... Sport girls. Mais il est mort. Le boxing qu'il est mort. Il pèse son cœur. Indice encore. Cadavre, clown, machin. Je sais pas, il tente, voilà. Putain, ils sont trop chutés, mais non. C'est comme fou. Allez, crevez, bonne con. C'est son nom qui est mort. Putain, les balles qui se prennent dans le ventre, le mec il meurt même pas. Tu fais ça dans la vraie vie, tu meurs. Tu fais ça dans GTA, tu meurs. Là, tu fais ça dans le jeu là, tu meurs pas. Okay. Oui. Il est plus cher lui aussi. Ah non, c'est vrai. Donc désolé, vraiment, s'il y a une petite coupure pendant la vidéo, si parce que ça bug un peu. Je sais pas si c'est parce que la vidéo est trop longue. Je peux pas vous dire, mais il y a un problème un peu de. Hey, Non, je vais pas me mettre à chanter quand même. Attendez, chut. Regarde si tu veux chute. Don't shoot, por favor. You an American? Sure. Oh, il est tout à fait mort, mon pote. Le prochain qui est dans les chutes, je vais mimbol. Cherche pas à comprendre, je vais mimbol. Il dit ouais. De bain dans la gueule. Ouais, je sais, je suis méchant ça. Mais en même temps. Indice. Les poignées sont rouges, donc oui, c'est fermé. Oh, il y a un qui a perdu son ting, un bout de tissu. La girl sure knew how to draw the eye, and maybe that was the problem. But at least I was heading in the right direction. Je sais, les gars, je suis débile. C'est pour ça que je fais des vidéos. Tu sais, vous savez, on est tous débiles dans la vie. Vous allez me prendre pour un con. On sort des toilettes. Hop, c'est la cuisine. Ah non, je crois que c'est la cuisine. Oui, c'est la cuisine. Oh! Whatever the hell they were arguing about. Bah oui, ils ont des coquins ici. Ils ont des... pas bien, moi. Putain, et... Non, mangez pas tous les gars. Moi aussi, j'ai pas... Oh, lui, il me le fait, ça. Je vais lui faire un deuxième gros du coup. Bah lui aussi, mais lui il est fatigué le mec. J'suis en train de faire caca. Les mecs, c'est plus une bonne dans le cul tout à l'heure. Putain, ils ont tué le cuisinier, moi je mange pas. Les fausses flammes. I had no choice but to keep pushing forward. Merci Photoshop. Non, j'ai des gueules. Still alive. Vous inquiétez pas, je ne suis pas de soucis avec les Chinois. Je les aime bien comme de tous les pays. Donc ne vous inquiétez pas.
T'as pas mis de parce que je suis loin, j'ai pas mis de bouclier. Je suis loin, ça vaut rien. Moi, j'ai pas compris. Et je me fous pas dans la gueule non plus. Je pensais pas que je me fous dans la gueule, non, parce qu'en fait, on va juste manger des balles. Oh. Oh. Oh, monsieur, il fait du go, ils sont chelous. Ils sont chelous, les gars, ils sont chelous, ils sont chelous, ils se pètent tous les yeux. Je vais manger du poisson pour fouet. Oh, lui, lui aussi, c'est qui les gars. Il est pas mal. Allez. Oh putain, on va manger la salade avec du sel et du poisson. Il n'y a pas de souci. Lui, il n'y a pas de souci, il a eu un trou dans la gueule. Il m'a demandé de faire un piercing et je lui ai fait un trou dans la gueule. Ah bah, je sais. C'est comme ça. C'est la nuit. Je suis venu. Je me répète, je me répète. Je ne sais pas quoi dire. Bon, c'est juste, j'espère que ça va bien se passer. They were headed for the helicopter pad. I had to get to the roof before Giovanna and Fabiana left on a one-way flight. I knew this was going to be a bad idea. Oh, je me suis but fait. In the continued absence of any good oh, ones, non, il saute pas. I decided to go with it. Saute pas, mec, c'est fou. Maman. Ouais, il fait peur, monsieur. Je crois que j'allais mourir. I guess my time in Sao Paulo wasn't quite the paid holiday in the sun I'd been promised. At least I was getting shot at by a better class of psychopath. These guys weren't messing around. This place was like Baghdad with G-strings. A couple of more seconds and I'd have given some poor street cleaner a crappy start to his day. Now, I had a ride to catch. Pull me up, Bob, and I'm watching nails! All I said! Come on, come on! Max, I can't leave you alone for 5 minutes. What the hell happened in there? They jumped us. Same guys from the party, I think. They grabbed the girls and Marcelo, but he's here now. Yeah, don't worry about me, homie. I'm just the guy paying you lots of money to protect me. Yeah, but what you're drinking? Bet your ass I was. You try staying in there for 5 minutes sober. Oi, olha! Look, there they are. Quick, get after her! Are you crazy? We can't just leave her! Max, you gotta do something! Come on! Get the rifle back there! Donc tu vois, quand il y a des petits moments cinématiques, je fais des coupures comme ça, comme ça je vous laisse regarder un peu. Et des fois quand c'est un peu trop je parle, mais c'est quand c'est trop long, je partage, je vous laisse regarder. Donc, ça dépend du moment, voilà, quand c'est des petits trucs comme ça, donc je sais pas. Mais sinon, voilà. Donc là, on y va à l'hélicoptère. Et on va dire que les dames rennent. C'est pas si bête. C'est tir que je suis chiant. Et oui, je sais, chouchou. Shoot! What the fuck are you waiting for? Oh, man. Stay on! Don't worry, I see him! Oh. Il est... What's up, Lego? Did he say when he finds out about Fabiana? What's he gonna say when he finds out his youngest brother died and trying to kill his friend? En fait, je sais pas trop quoi dire. Merde. Ça sent que je suis ici. Il faut bien en fait un peu. Parce que bah... Ouais, j'ai jamais noté que tu peux doubler, si tu peux dire, bah... Ouais, mais... C'est une vidéo... Quand une vidéo, quoi, ouais, ça va, tu sais pas dire, je sais pas, ça va vite. Et quand une vidéo, elle est non, tu sais pas trop quoi dire, parce que genre... Bon, je fais des petites choses en premier et tout, pour... Pour essayer de... Tu vois... Mais... Je sais pas si c'est possible de faire une vidéo de... De parce que c'est compliqué quand même, c'est ça. Ça c'est possible. Donc voilà, c'est ça. Désolé, c'est des gens que je sais pas quoi dire, c'est utile. Ouh là, on va se prendre un méchant, on va se croquer pour la ville. Non, mais t'es pas tombé, t'es pas tombé.
tu vois le charbon qui est bien à côté. Allez, on change. On change pour le jeu. Je me pose. De mon point de vue, j'arrive pas assez. Je peux pas rester sérieux en fait. C'est toujours avec moi, je suis comme ça en fait. Quand je joue en jeu, je peux pas rester sérieux. Même des fois quand je fais des vidéos, je suis toujours fou. Et en gros, je suis pas assez fou, c'est pareil, mais moi je peux pas rester concentré sur les vidéos à 100%. Ou de me foutre des gens quand tu joues, ou nous en ligne, tout ça, ça a toujours été comme ça. Après, on est tous différents, c'est sûr. Mais quand je joue en jeu, je suis le con. Ça m'arrive des fois de recommencer le jeu entier en mode. C'était mon mood en fait parce que je meurs et du coup je suis pas gâté, c'était machin. C'est pour ça que des fois que je suis assez parce que la chance n'est pas concentrée. Après je fais très aussi, ça m'arrive aussi. Parce que ça m'arrive des fois quand je joue à la position. C'est vraiment aussi quand je vois un jeu et des fois c'est tout ça. Après c'est plus ou moins, je sais pas, j'ai...